Est-ce qu'il a déjà participé à Sean Noël? Je ne sais pas. Mais Patson est dans la place. J'adore. On salue également les téléspectateurs de Guyane oui, Première tout en télévision. On a fait trois en un, c'est plus malin. Normalement, je vous explique. Ce n'est pas à moi d'expliquer. C'est le boss qui devait expliquer. C'est que nous, on devait passer seulement à la radio. Seulement que quand ils vous ont fait les infos à la télé, ils n'ont pas coupé. Et puis, ils nous ont laissé. Voilà. On est passé télé, internet et radio. Trois en un, c'est plus malin. Voilà, c'est comme donc ça. Donc, on salue ceux qui sont à la télé. Coucou. Voilà, où est la caméra? Coucou. Voilà. Elles sont un peu partout, tu vois, les caméras. Voilà, donc, il y a des fans qui disent waouh, Patson est joli. Hein. Ouais. Ah oui, c'est ça le truc qui tourne tout sur moi. Quoi. Voilà. Tourne encore. Oh non, c'est génial la technique. On te dit souvent que tu es super mignon. C'est vrai que, excusez-moi, je ne fais pas exprès quoi, d'être beau. Quoi. J'aimerais bien être vilain, quoi, mais j'arrive pas. Quoi, parce que je la vaux bien. Patson, mais toi, tu es le boss ici aussi. De ah non, je ne suis pas le boss. Tu es le boss, tu es le loup. Parce que hier, j'ai dragué une nana, j'ai dit, est-ce qu'on peut sortir ensemble cette nuit? Elle a dit, ouais, ben si tu connais. Elle cherchait des noms, elle m'a dit, l'animateur célèbre là, qui est sur Première, Guyane Première. J'ai dit justement, j'ai quand fait son émission. Elle dit, si tu fais son émission, tu m'es ni que ce soit. Voilà. Ça va, il y a un autre. Voilà le boss, ça c'est le patron. Ah, c'est le directeur boss. Le boss, on t'a eu. Hein. À la vie de maman, t'a eu. On a niqué le business. On est passé trois fois. Il a dit, mais j'ai dit, Patson, une seule fois à la radio, mais comment ça se fait qu'il passe à la télé en même temps? Le technicien, je lui donne ma sœur. Patson, on écoutait Claudie Niette là, pour un chant de Noël. Ouais. Est-ce que tu as un bon souvenir de Noël? Est-ce que c'est une période que tu aimes bien? C'est une période que j'aime pas. Ou alors que ce sont des mauvais souvenirs? Non, c'est des mauvais souvenirs parce que j'ai pas de cadeau. Ouais. Et comme j'avais pas de famille, c'est vrai que moi j'ai eu un enfant, mon enfance difficile quand j'étais en France. Et j'ai eu une famille adoptive et j'ai pas de cadeau. Mais bon, ça n'empêche pas aujourd'hui que mes enfants aient des cadeaux. Ouais. Mais moi seulement que Noël, j'ai envie de dire la vérité aux enfants quoi. Mm-hmm. Parce que j'en ai marre. Les parents, j'ai envie de dire, si vous faites, je vais dire la vérité. Mais Noël, oui, le Père Noël, il n'est plus comme avant. Ouais. J'ai trouvé qu'est-ce qui a changé Le Père Noël aujourd'hui, il est trop. Il est en 501, trop classe. Quelquefois, il prend l'enfant, il fait une photo vite fait, il débarrasse de l'enfant, il prend un autre. Il prend pas le temps de parler à l'enfant. Ouais. Avant, le Père Noël, c'était impressionnant. Maintenant, le Père Noël et tout. Il y a même des Noirs à Père Noël. Il y a des Arabes à Père Noël. Je viens chinois à Père Noël. Il chante et tout. Avant, le Père Noël, il y avait un truc. Il y avait une magie, quoi. Aujourd'hui, maintenant, le Père Noël fait des selfies et tout. Il dit à l'enfant, envoie-moi ta liste de jouets par Internet. Avant de venir avec son truc derrière le traîneau et tout ça. Je trouve que ça a perdu un peu, mais en tout cas, en Guyane ou même dans les pays en Afrique, ça, on s'accroche encore avec les chantons Noël, avec tout ce qui est église, spiritualité. Mm-hmm. Ça donne encore cette valeur, c'est ça qui reste. Sinon, en Europe, laisse tomber. Exactement. Oh, le Père Noël, le sapin, on jette le lendemain, quoi.